Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà sur cette enseigne Hofstetter Sport, inutile de vous le dire. Eh bien, ce soir, nous allons parler de sport, on va parler matériel. Forcément, on est ici en plein cœur de Vézina à l'occasion de l'inauguration de cette version Hofstetter Vézina, puisque comme vous le savez, eh bien, Vézina a été pendant des dizaines et des dizaines d'années rue de la Coratrie. C'est un déménagement eh bien, qui a eu lieu il y a quelques semaines ici. Et ce soir, eh bien, c'est un peu la fête à Vézina. On a plaisir d'être reçu par le directeur des lieux, Stéphane Montagny. Bonjour Stéphane. Salut Michel et bienvenue à Vézina. Merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. On le disait tout à l'heure en préambule, hein. C'est combien d'années d'Hofstetter à la Coratrie Alors, Stéphane. 87 ans d'existence du magasin, dont 82 passés à la Coratrie en fait. Et 12 ans en ce qui te concerne comme directeur de ce magasin-là. Qu'est-ce qui a motivé, Stéphane, ce changement après tant d'années? Alors, il y a eu différents facteurs. Déjà, l'accès en ville est devenu très, très compliqué. On le voit encore dernièrement, en fait, où le pont de Lille a encore été fermé. Le parking aussi, très, très difficile de se parquer derrière. Alors qu'à Vézina, nous avons des commodités. Oui. C'est extrêmement facile. Nous possédons un parking privé pour les clients. Sous le magasin, il y a encore le parking de la COP juste à côté, le parking de chez Manor aussi. Et deux arrêts de bus, tout simplement, en face du magasin. Beaucoup d'avantages. Voilà. On va circuler, ouais. On va peut-être quand même marquer des petits temps d'arrêt parce qu'on va quand même essayer de parler de sport. C'est vrai qu'il commence à faire un peu frisquet, Stéphane. Heureusement. Est-ce qu'on commence à sentir un petit peu un certain affolement du côté des clients? Est-ce que ça commence un peu à se bousculer? Alors, un au portillon? Un intérêt, oui, tout à fait. Il commence à avoir de l'intérêt. Là, vous venez de voir en fait toutes les nouveautés. On a à peu près, je dirais, 90% en fait de la collection qui est arrivée déjà en ce moment. Et les nouveautés, justement, on va vers. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où je skiais, mais c'était il y a très très longtemps. C'était des skis de 2,25 m à peu près. Là, on se rend compte qu'on est exact, vraiment ouais. Définitivement dans du plus court. Hein. C'est beaucoup plus court. Mon slalom mesurait 2,01 m. Ouais. Je m'en rappelle très bien aussi à l'époque. Les fameux aides noires comme ça qui c'était étaient. C'était un feulquel jaune. Immense, mais voilà. Immense. Donc les skis sont quand même oui, beaucoup plus courts. Ils sont plus larges aussi. Il y a certaines nouveautés. On a chez Atomic, par exemple, un système qui s'appelle le système RevoShock, qui est tout nouveau pour amortir les chocs. On a plus de stabilité. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Pour le reste, on va continuer parce que évidemment que le magasin est quand même, c'est oui. Une surface de vente qui est quand même suffisamment grande. Ce qui est assez sympathique par rapport à l'ancien Hofstetter, deux choses qui me tapent un peu à l'œil, Stéphane, c'est que c'est la luminosité. Parce qu'on s'en souvient, c'est vrai que là c'était alors, un peu dans, strictement dans rien une avoir. Cave. Alors, on est bien d'accord. Donc là, il y a une luminosité. Des grandes baies vitrées. Il y a un patio qu'on va découvrir par la suite. Absolument. Et c'est beaucoup plus agréable aussi pour les collaborateurs en fait, de travailler. Oui, c'est ouais. Très, très clair. C'est vrai c'est que très c'est. Clair. Et puis voilà. Surtout, c'est de plein pied. Hein. On peut penser peut-être de à cet effet aux auré. Handicapés, avec exactement. Des gens en chaise ou des gens âgés. C'est vrai qu'il y avait cette espèce d'escalier comme ça. Qui c'était pas chaleureux, forcément, mais très difficile à gérer. Pas facile d'accès. Non. On est bien d'accord. Là, on est. On, tout d'un coup, on va un peu vite en voilà, termes de dans, chaussures, dans les par chaussures, exemple. Qu'est-ce que, alors, on va garder le micro un peu près de la. Autrement, voilà. On ne va pas entendre les commentaires. Alors, dans les chaussures, en fait, voilà, il n'y a pas eu de grande révolution non plus. Par contre, on peut noter le retour aussi de l'entrée arrière. Je peux difficilement le faire là. C'est pas en fait pour des grands compétiteurs, mais si on recherche un peu le confort, très facile. Ce qui est apparu ces dernières années, le système Grip Walk, qui permet justement de marcher en évitant de glisser, de tomber, ouais, c'est pas et des... en arrondissant en fait. Tout simplement, le mouvement. Ce n'est pas des chaussures de marche. On va avancer, Stéphane. Viens avec moi. Un petit coup comme ça, là, en passant quand même sur... Voilà, bien sûr, ON, la fameuse marque ON. De notre ami Roger. Exactement, forcément. Tout à fait. Et ça, donc, ça marche, ça a du succès, oui. Ça marche bien. Très, très fort. On a, je pense, le plus gros choix du canton aussi, avec des séries Roger limitées. Par chance. Ok, on va continuer. Ici, les sports phares, peut-être c'est l'occasion d'en parler, parce qu'évidemment, sur une surface comme celle-ci, qui est déjà une belle surface, on ne peut pas avoir tous les sports. On peut pas avoir tous les sports, impossible. Non. Donc il faut sélectionner. Exactement, hein. Ce qui était fait. Donc là, on vient de passer devant le running. Maintenant, on a un coin que j'aimerais bien te faire découvrir. Ça, c'est sympa. Le boot fitting, bien entendu. Rentre seulement. Allez, raconte-nous rapidement cette voilà. Machine comme ça, un peu tout est neuf, donc machine pour faire les semelles, ici. On a fait faire un nouveau podium sur mesure.
On a une presse, donc la Presscam, pour l'analyse statique et dynamique. Là, le four. On parle de. Pardon, Stéphane, mais juste, pardon de te couper, mais on parle de semelle. On est toujours dans le ski, là, on est d'accord. Hein. Ah non, non, là, on peut pas faire du tout. Pour tous les sports. On n'est pas dans le ski. Après, okay. Sur le podium qu'on voit là sur la gauche, là, on peut faire les injections, quand même. Carrément. Tout à okay. fait. Donc mais ça, là, on peut faire des semelles pour différents types de sports. Ok. Alors là, on continue. On est dans une partie, évidemment, qui est bien d'actualité, qui est assez à la mode. C'est une petite partie fitness qui est bien agendée. Là aussi, il y a... Donc là, on a beaucoup d'accessoires, absolument. Comme tu peux voir. Ouais, mais on est aussi assez fort dans les machines. Vélo d'appartement, rameur, elliptique. Et voilà, on a un très, très grand choix. Alors là, on rentre dans une partie qui tient à cœur à la maison depuis très longtemps. On rentre un peu dans la partie textile qui va être là, juste à droite. Là, on ne va pas oublier. Alors ça, c'est un rayon, tennis, ça, c'est voilà. un rayon qui ne va pas forcément rester pour l'hiver, hein, Stéphane. Alors non. On va essayer de le maintenir quand même. Un tout petit peu, mais on va devoir le réduire. Pour faire place un peu, évidemment, aux doudounes qui prennent beaucoup de... des habits de ski qui vont encore arriver aussi. De place. Et puis là, on va quand même faire un petit clin d'œil sympathique parce qu'ils sont très charmants dans le patio, qui est un endroit qui est bien sympathique. Il y a le fromager de bleu qui est venu ce soir. Oui, de bleu, exactement. Ils sont juste en dessus, ici à Vézelay, avec une belle fromagerie, avec Linda qui est là derrière, qui est charmante. Donc on peut préciser que ce soir, c'est soir de fête. Hein, c'est, absolument, comme on dit, ouais. Comme on aime bien le dire, il y a un peu à boire et à manger. En tout cas, c'est magnifiquement présenté avec, on le rappelle, cette fromagerie de bleu. Puis là, on va se rendre tout en circulant un peu dans ce magasin. Alors là, c'est une partie, Stéphane, qui est aussi importante, partie vêtements, partie pour textile. Moi, tout à fait, elle est très importante. En fait, c'est la partie, on va dire mode, mais par cas. Par rapport à la coratrie, donc on a abandonné la mode qui était connue, que tu as connue sur le rez-de-chaussée, qui est reprise par le bon génie. Mais on a toujours les parkas, que vous pouvez voir les Canada Goose, les Nobis, les maquets. Donc là, on reste très fort. Là, de nouveau, il faut sélectionner parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir tous les textiles qui existent. Donc on voit qu'il y a des accessoires, il y a forcément des gants, il y a des chaussures de montagne, il y a des chaussures noires là-bas, très sympa. Voilà, il y a les casques, les masques aussi. Les sous-vêtements, forcément, Edo, toutes les grandes marques qui sont là. Et puis là, on va arriver dans une partie un tout petit peu plus surprenante. On va arriver dans une partie qui s'appelle le bureau du voyage. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, on va te laisser. Le micro à Dominique. Voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée à toi Stéphane, on va passer le micro à Dominique. Merci. On va te laisser à tes occupations. Merci beaucoup. Dominique, bonsoir. Bonsoir Dominique. Michel. Visage bien connu, Dominique, des milieux golfiques. J'aime bien le répéter. On va s'intéresser évidemment au bureau des voyageurs. Dominique, brillant joueur de golf, amateur mais avec un niveau professionnel. Ça c'est juste comme ça pour l'anecdote. Le bureau, c'est vrai que ça peut surprendre d'avoir un bureau, un espace bureau dans un magasin de sport. Mais c'est bien, finalement c'est bien pensé parce que Dominique, on est d'accord, c'est un peu le même genre de cercle de gens qui fréquentent les deux endroits, c'est ça la subtilité. C'est ça, les gens en fait qui viennent ici acheter le matériel vont forcément partir en voyage. Oui. Donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir un spot de voyage et de billetterie aussi pour pouvoir proposer aux gens une extension à leurs achats en fait. Que ce soit, ça peut être de la location de chalets de montagne, ça peut être des billets pour aller voir la Coupe du Monde de ski, ça peut être toutes sortes de choses en été, du foot, d'autres choses, et surtout les voyages. Alors, on va rappeler que le bureau principal du bureau, c'est au chemin des Tulipiers. C'est juste. Là, on va dire que c'est une annexe, si on peut dire, qui est chez Hofstetter Sport. Alors, petite démonstration. D'abord, ton vrai métier, c'est lequel ? C'est voyagiste, c'est plus que ça, hein ? C'est de la conciergerie de voyage. Parce qu'aujourd'hui, notre clientèle, en fait, leur voyage tourne autour de la conciergerie. Ce n'est pas juste aller dans une agence de voyage et acheter une photo, aller au Sheraton, je ne sais pas, au Hurghada, prendre le vol, le transfert et aller se baigner. Notre concept, c'est beaucoup plus, évidemment, personnalisé. On connaît bien la planète et on va faire tous les petits extras. On va préparer les voitures qui veulent exactement, avec peut-être une couleur intérieure spécifique. Les gens, des fois, ils aiment, quand ils ont un grand Viano, ils aiment mettre en face à face et pas l'un derrière l'autre. Donc, toutes ces petites choses font que ça prend beaucoup plus de temps
Et aussi au niveau de l'installation dans les hôtels, dans les chambres, est-ce que la chambre est bien située, elle est devant, elle est derrière, etc. On va faire, alors, voilà. On va imaginer que je suis le client lambda qui vient ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose? Ça donc, se passe comment? Alors, pour la faire courte, on a créé depuis 20 ans une carte interactive à peu près de 1500 hôtels. Et sur ces hôtels, donc, ils nous ont été recommandés ou on les a visités. Donc on peut en parler vraiment d'une manière très précise. Donc on va prendre un exemple très, très concret. On va avoir une famille qui vient ici, qui veut aller par exemple en Afrique du Sud et veut faire un tour entre Cape Town et puis faire un safari. Donc là, on va lui dire par exemple, si vous voulez aller à Cape Town, allez au silo par exemple. On va définir un peu, voilà, parce que là, si on doit faire tous les silos, on va en avoir. On va prendre peut-être un silo. L'avantage, c'est de voir sur cette carte d'abord l'environnement satellite pour voir qu'est-ce qu'il y a autour de l'hôtel. Et la deuxième chose, c'est d'aller cliquer sur le site de l'hôtel. On peut cliquer sur le site de l'hôtel. Voilà, là, immédiatement, on voit où on va aller. On peut montrer vraiment beaucoup plus qu'en détail dans une brochure. On voit vraiment où on va. Après, on peut faire la même chose pour aller dans un lodge qui est en Afrique du Sud, qui s'appelle par exemple Singita. On va montrer aux gens des vidéos qui sont beaucoup plus parlantes que n'importe quoi. Donc en gros, l'idée ici, on n'a pas de papier, on n'a rien. On regroupe les informations des clients. Où est-ce que je veux aller? Dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique? On leur donne un choix d'hôtel. Ils nous disent ça me paraît bien. On prend toutes les informations, on les ramène dans nos bureaux à Grange Canal. Et en 48 heures, on prépare une présentation, on les ramène ici et on leur montre la présentation. Et là, on a un voyage clé en main, on est bien d'accord. On ajuste toujours. Et voilà. Et ça veut dire, Dominique, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, que toi-même, tu vas évidemment régulièrement tous ces endroits, tu les as pratiquement, on peut dire. Enfin, il y en a 1500 là. Ouais, donc, malheureusement, j'en ai vu beaucoup. L'avantage, c'est qu'on fait partie d'un réseau mondial qui s'appelle Traveler Made, où on est très peu de designers comme nous en Suisse. On est à peu près 6. Et dans le monde, il y en a à peu près 200. Et entre nous, on peut se passer des informations. C'est-à-dire que si j'ai pas été dans cet endroit spécifique, par exemple au Costa Rica, mon Traveler Made, mon contact là-bas, va me donner. Pense comme moi, en fait. C'est comme ça. Parce qu'il a le même profil. Et ce qu'il va me dire, je vais lui faire confiance. Donc, on peut proposer le mieux du mieux n'importe où dans le monde, même si on n'a pas spécialement été. Un petit détail, les horaires ici, il y a quelqu'un tout le temps. C'est les horaires d'ouverture du magasin, on peut imaginer. Oui, mais il n'y a pas tout le temps quelqu'un ici pour le moment. C'est un peu la phase de commencement. Là, avec l'ouverture aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus de monde avec les habits de ski et la collection. On prend sur rendez-vous. Les gens nous appellent, on les retrouve ici et on leur propose tout ça. Merci beaucoup Dominique Rey. En tout cas, c'est le bureau des voyageurs. C'est un endroit, le bureau des voyageurs, en tout cas, qui fait rêver. Sans oublier qu'on combine beaucoup aussi avec la billetterie ici. Ok. Parce que le bureau, c'est de la conciergerie, c'est beaucoup de choses. Mais Hofstetter, c'est voyage et billetterie. Ça veut dire avoir des billets pour Roland-Garros, pour Wimbledon. Oui, on a pour le Ballon d'Or au mois de novembre, pour aller voir des matchs à Paris, à Londres, Chelsea. Donc, on fait beaucoup de billetterie sur dans toutes les disciplines sportives, en fait. Très important. Merci beaucoup. C'est important. Merci beaucoup, Dominique. On va terminer, si vous êtes d'accord, sur quelques images avec mon ami Alan à la caméra. Je lui donne le micro ? Non, pas de micro. On n'aura pas le temps. Malheureusement, c'est le domaine des 3 étoiles à P6. Didier Fischer, qui est vigneron et puis qui est également accessoirement président de la Fondation 1890. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était chez Hofstetter Sport en direct à Vézina. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, forcément, pour parler de sport. À bientôt. Ciao.